pourquoi. Vous venez du Nord, ça ne fait point un pli. Je vous demande pardon? Pas de pardon qui tienne. Il n'y a qu'une chose à faire, changer de garde-robe. Mon salon est ouvert. Entrez donc. Épargnez-moi les moqueries et montrez-moi vos modèles. Avec grand plaisir, monsieur. Merci. Ce sera tout pour le moment. À votre service, mon bon monsieur. En retard. Pourquoi ça ne me surprend pas? Eh bien? Je ne pensais point que vous aviez le sens de la mode. Ça alors, Gérald, pas mal du tout. Et vous avez même pris un masque. À cela près qu'il est inadapté. Hein? Ceux que portent les membres de la Mandragore sont légèrement différents. Je vous en ai amené un. Mettez-le. Vous savez pourquoi ils portent des masques ? Peut-être parce qu'ils trouvent ça extrêmement romantique et mystérieux. Mais l'explication la plus simple est qu'ainsi personne ne peut dire quel aristocrate ivre pince les artistes. Allons-y, la soirée a commencé. Vous avez bien fait de dissimuler vos armes, autrement ils nous auraient refusé l'accès. Comment allons-nous trouver le Saint-Trien? Avez-vous un plan? Ce qui compte, c'est de ne pas l'effrayer. Essayons d'abord de trouver sa partenaire, Cecilia. Cela attirera moins l'attention. Dès qu'on l'aura, nous le tiendrons aussi. Oui, vous avez raison. Nous devons être prudents. Venez, c'est à nous. Madame, monsieur, j'ai l'immense plaisir de vous accueillir à la soirée de la Mandragore. Ce soir, je vous conseille de faire particulièrement attention aux prestations des artistes de notre communauté. On peut en savoir plus sur ces prestations ?
Ce soir, la Mandragore a l'honneur de présenter trois superbes représentations artistiques. La première était un concert de Cecilia Bellante, une chanteuse dont la voix est un véritable trésor. Hélas, Mademoiselle Cecilia a déjà chanté. Dommage, nous aurions adoré l'entendre. Heureusement, vous arrivez à temps pour voir le grand Calesti, un maître des illusions d'optique qui nous vient d'Ophir. Des illusions d'optique, intéressant. Et le troisième artiste ? Les troisième et quatrième, car il s'agit d'un duo, sont les frères Tuven, qui présentent leur dernière pantomime. Nous espérions vraiment rencontrer Cecilia Bellante. Seriez-vous de ses admirateurs ? Je suis sûr que vous aurez tout le loisir de discuter avec elle. Il ne va point être simple d'identifier quelqu'un dans cette foule. Pourriez-vous nous aider à la trouver ? J'ignore où elle se trouve en ce moment, mais je puis vous donner un indice. Nous sommes tout ouïes. Cherchez l'orchidée du Kovir. Ce qui veut dire ? Cecilia en porte une dans ses cheveux. Vous la reconnaîtrez facilement avec cette fleur. Eh bien, dire que Jasquier se plaint toujours de l'extrême pauvreté des artistes. La résidence n'appartient à aucun d'eux. Ils ne sont que des invités. C'est Oriana, la propriétaire. La femme à la robe noire, là, sur ce balcon. Je la vois. Elle ne porte pas de masque. Ce serait inutile. Tout le monde la reconnaîtrait quand même. Cherchons l'orchidée du Kovir. Si nous trouvons Cecilia, nous trouverons le Saint-Trien. Allez-y, Gérald. Courage. Montrez-nous quel artiste vous êtes. Lancez les billes de peinture sur la table. Votre fibre. Mes chers amis, une autre âme semble désireuse d'exprimer son côté créatif. Ça alors, vous aimez l'art moderne. Je sais, il s'agit de la sangle. Ce n'est pas un paysage dans le Béotien. C'est la manifestation de l'âme humaine. Aussi riche et luxuriant que. Alors chantez. Si vous vous lassez de ces nuances, reposez-les dans le sol. Et choisissez, par Dieu, un carnat pourpre, sang de bœuf. Je vois des lèvres, une bouche seulement entrouverte. La composition prend forme. C'est leur noble entreprise. C'est sûr. Au ciel de Toussaint. On peut y voir une peur refoulée de l'intimité. Enfin, pour figurer la transgression dans sa forme la plus pure. Et voilà, rideau. À présent, accordez-moi un instant. Ce que j'en pense, le tableau montre la dualité spirituelle. Le combat incessant entre le bien et le mal. Et le défi. Oh oui, c'est tout lui. Le bien contre le mal, la dualité de l'homme. Et le défi. J'aimerais le rencontrer. Dommage qu'il soit venu à ton avis.
prétentieux. Je m'étais préparé à toutes les critiques. Va, ça. Bla, bla, bla. Avant-garde, tu me parles. Tout ce qui leur importe, c'est l'argent et la fornication. Prétentieux. Je m'étais préparé à toutes les critiques. Mais pas ça. Et prudent, sur ce coup. Ne nous dérangez point. Oust. C'est la bonne fleur. Évidemment, l'orchidée du Kovir fait un contraste parfait avec sa peau. Je dois parler à votre modèle. Ça ne prendra qu'une minute. À moi? Ne bougez point. Parlez si vous voulez, mais par pitié, pas un geste. Eh bien... Impressionnant, ce portrait. Je reconnais ce style, cette touche. C'est Dorian Vilès. Auriez-vous entendu parler de moi, madame? On dit qu'Anna Henrietta en personne voulait que vous peigniez son portrait. Ah, le chambellan du palais m'a contacté à une époque. Mais il a fini par refuser mes conditions. Quel était le problème? Quand il a su que je ne peignais que des nus, il a rompu tout contact. Il disait ne point vouloir offenser son illustre majesté avec une telle proposition. J'ai toujours voulu la peindre. Quel dommage. Je crois que vous avez encore vos chances. Nous tenions particulièrement à vous rencontrer. Moi ? Mais pourquoi donc ? Le noble Saint-Rien avec qui vous êtes venu, nous avons des questions à son sujet. Le noble Saint-Rien ? Oh ! Vous devez me prendre pour Cécilia. C'est à cause de l'orchidée. Je vous ai dit de ne point bouger. À la fin de sa prestation, Cécilia a lancé la fleur dans la foule et je l'ai attrapée. Cela dit, j'ai bien vu le noble. Nous aimerions vraiment lui parler. À quoi ressemble-t-il ? À plein d'hommes ici. Grand, brun, masqué. Vous savez peut-être où il est. Il a donné un petit cadeau à Cécilia. Une boîte en forme de cœur. Ensuite, ils sont partis ensemble vers les rafraîchissements. Madame, monsieur, je m'excuse, mais je ne peux point travailler dans ces conditions. Vous devez partir. En vous un artiste au talent immense. Cette toile, elle est... Elle est sacrément colorée. Voilà ce qu'elle est. Vous avez point fait l'effort de comprendre. Quelqu'un a laissé son lutte. Je dirais presque celui de Jaskier. Le sien était raflé. On l'a frappé avec un jour. Une boîte vide, en forme de cœur. Cécilia a dû la laisser là. On dirait qu'elle contenait un flacon de parfum. Un cadeau du Saint-Rien, j'imagine. L'odeur flotte toujours dans l'air. Suivons-la. Ce doit être une personnalité, croyez-moi. Avec un tel talent. Absolument. Oh, comme j'aimerais le rencontrer. Dommage qu'il soit venu accompagner. Dois-je vous rappeler que c'est également votre cas? Cette toile, elle
Elle est sacrément colorée. Voilà ce qu'elle est. C'est émouvant, toute cette beauté. Regardez, des lanternes. Ça porterait chance de les lâcher. Et s'il ne venait point ? Il viendra. Ne t'en fais pas. Comment peux-tu en être aussi sûr ? Mon cher frère, fais-moi confiance. Il a promis de te rendre. Désolé, seuls les artistes de la Mandragore sont autorisés. Venez, il faut réfléchir à un plan d'action. Oh, je reconnaîtrai cette voix entre mille. Vous devez me prendre pour quelqu'un d'autre. Mais j'ai servi 15 années au palais. Votre Majesté, je ne pourrais vous confondre avec personne d'autre. Chut, pas si fort. Nous sommes ici incognito. C'est une affaire d'État. Bien, Votre Majesté. Que puis-je faire ? J'espère qu'on peut compter sur votre discrétion. Bien sûr. Je serai muet comme une tombe. Nous cherchons Cécilia Bellante. Vous l'avez vue ? Elle est dans sa loge. Elle y est entrée avec un noble. Visiblement, il y avait quelque chose entre eux. À quoi ressemblait l'homme ? Grand, large d'épaules. Une barbe noire qui dépassait de son masque. Et il parlait avec un accent étranger, un accent traînant. Ça doit être lui. Il faut vite nous rendre à la loge. Oui, Votre Majesté. Je vous y conduis. Non, restez ici. Si quelqu'un tente de fuir, arrêtez-le. Compris. Vite, à l'étage. Ce doit être Cécilia. Trop tard. Elle est morte. Il lui a tranché la gorge. Quelle brute ! Bon. S'il était sorti, le garde l'aurait vu. Il ne peut pas être allé bien loin. Retrouvez-le avant qu'il fasse une autre victime. Je vais prévenir Oriana. Elle doit mettre un terme à sa soirée. Non, je reste avec vous. Gérald, tout ira bien. Occupez-vous de cet assassin, je vais chercher de l'aide. Il est sorti par le balcon après l'avoir tué. Une empreinte de main ensanglantée. C'est la sienne. Il a arraché la porte pour en faire une plateforme. Malin. Et fort comme un bœuf. Il a brisé le pot de fleurs en déplaçant la porte. Puis il a marché dans la terre. Des traces de grimper à cette échelle, faites par des bottes sales. Le chandelier est tordu et maculé de sang. Quelqu'un a tenté de l'attraper. Un miroir brisé.
Quelqu'un l'a percuté avant de s'effondrer au sol. Des taches de sang. Les maillons d'une chaîne brisée. Le bijou devait être dessus. Un coffret à bijoux. Quelqu'un a dû crocheter la serrure. La toile est déchirée, ça ressemble à un coup de couteau. Un encrier vide, renversé. Il est orienté vers la pièce. Un couteau de chasse, richement décoré. Sans doute l'arme du crime. Ça doit valoir cher, mais il n'est pas venu pour ça. Du sang sur le rebord de la fenêtre. Quelqu'un est passé par là. Une pierre précieuse, tachée de sang. C'est sûrement pour elle que le voleur était là. Des petits maillons de chaîne. Provenant d'un collier arraché, il y a des traces de lutte. Le bijou était dans le coffret, apparemment. Le Saint-Rien a tenté de le voler, mais quelqu'un s'est interposé. Ils se sont battus, c'est sûr. Et l'un d'eux est passé par la fenêtre. La chute aurait dû être mortelle. Le bijou est encore là. Conclusion, c'est le Saint-Rien qui a appris à voler. Ainsi donc, voici le pisteur. Un sorceleur, c'est bien ça? C'est bien lui, en effet. Nous avons trouvé le corps ensemble, puis il s'est lancé à la poursuite du meurtrier. La piste m'a mené jusqu'ici, mais j'ai uniquement trouvé des traces de lutte. On dirait que le Saint-Rien a fait sa dernière victime. Dommage pour Cécilia qui ne soit pas mort avant. La pauvre fille. Elle n'a jamais eu de chance avec les hommes. Mais un meurtrier, tout de même. Je vais avertir mes serviteurs. Ils s'occuperont du corps. En attendant, suivez-moi. Je vais tout vous expliquer, dans les moindres détails. Je l'ai surpris sur le fait, littéralement la main dans le sac. Il fouillait sans vergogne. Qu'avez-vous fait? Avez-vous appelé les gardes? Je n'en avais pas le temps. J'avais peur qu'il ne s'échappe. Je ne voulais pas lui laisser la moindre chance. Comme il me tournait le dos, je l'ai attaqué. Nous avons lutté, et sa tête a heurté un cadre. Il saignait et il chancelait. C'est alors qu'il a sorti un couteau. Tout s'est passé à une telle vitesse. Je l'ai désarmé, puis je l'ai poussé de toutes mes forces, et il... Et il est tombé par la fenêtre. Tout à fait. Attaquer un homme armé, vous n'avez pas froid aux yeux? Pourquoi? Parce que je suis une femme et que je porte une robe au lieu d'une armure? Je sais me défendre, croyez-moi. Une épingle à cheveux peut sembler être un accessoire inoffensif, mais si on la plante dans l'œil, elle est aussi efficace qu'une lame affûtée. Vous dites que vous avez surpris l'homme en train de vous voler, c'est bien ça? Oui, il fouillait dans mes bijoux, sur ma coiffeuse. Ce n'est pas ça qu'il cherchait par hasard? Le cœur de Toussaint? Oriana, comment êtes-vous entrée en sa possession? Je l'ai acheté, à une jeune femme, cela fait des années. Qu'a-t-il de si important, ce bijou? Le cœur a longtemps appartenu à ma famille, puis il a disparu. Je ne pensais point le revoir un jour. En tout cas, le voleur avait l'air bien déterminé à le trouver. Il a laissé sa trousse à outils. Regardez, j'ai trouvé ce croquis.
cœur de Toussaint. Et le dessin est plutôt fidèle à la réalité. Le Saint-Trien avait reçu des instructions précises, apparemment. Ce qui veut dire que nous devons retrouver son employeur. N'avez-vous trouvé aucun autre indice ? Si, j'ai trouvé l'arme avec laquelle il a attaqué Oriana. Un couteau de chasse, orné d'un emblème sur la poignée. Il s'agit du blason des seigneurs de Duntin. Le châtelain actuel est un passionné de chasse. Qu'en pensez-vous ? Duntin, je connais. C'est une vieille ruine abandonnée. Autrefois, oui, mais Roderick, le dernier héritier de la famille, a restauré le château de ses ancêtres. Que savez-vous sur ce Roderick ? Son grand-père était un conseiller de la reine Adémartha. Il a reçu ses terres en récompense de ses loyaux services. Roderick est un reclus qui fuit les mondanités comme la peste et préfère la compagnie de ses chevaliers. Ou plutôt, devrais-je dire, de sauvages en armure arborant des armoiries sur leurs boucliers. Oriana, je compte sur vous pour garder le silence sur tout ce qui vient de se passer ici. S'il apprenait que son homme a échoué, le vrai coupable pourrait prendre la fuite. Nous devons être prudents. La discrétion est dans notre intérêt à tous. Je ne vous demande aucune explication, mais je ne veux plus être mêlée à cette histoire. Pardon, Madame Oriana. Je peux vous parler ? Si vous voulez bien m'excuser. Que pensez-vous d'Oriana ? Je ne suis pas facilement impressionnable, mais en sa présence, je ressens toujours un certain malaise. Le dessin, c'est le même papier que celui sur lequel on a écrit le nom des victimes. Et la même encre, c'est l'œuvre de nos maîtres chanteurs. Ceux-là même qui ont organisé les meurtres de la bête, volé le sang réal et qui s'intéressent désormais au cœur de Toussaint. Écoutez, le vin... Ce bijou, tout est lié à vous. Je ne crois pas que ce soit une simple coïncidence. Un détail me préoccupe. Qui nous dit que la prochaine fois, ils ne s'en prendront pas directement à vous ? Il faut que je vous dise quelque chose. Ma sœur, Sianna, fait peut-être partie du complot. Elle a quitté la cour lorsque nous étions enfants. Mes parents l'ont bannie du duché. Je ne l'ai plus jamais revue. Pourquoi votre sœur a-t-elle été bannie ? Sianna était... maudite. Vos parents ont contrarié un mage ? Non. Elle est née sous de mauvais auspices. On raconte qu'elle était touchée par la malédiction du soleil noir. Gérald, est-ce vrai ? Peut-on vraiment naître mauvais ? Les astres peuvent-ils décider de votre sort ? C'est possible, oui. Mais c'est peut-être aussi parce qu'on traite ces gens-là comme des lépreux dès leur naissance. Sianna n'a pas dû avoir une enfance facile. Elle était toujours en colère. Elle souffrait de se sentir inférieure aux autres et elle masquait sa peine derrière un voile d'arrogance. Et de cruauté, parfois. J'ai souvenance d'un jour où elle a persuadé Cédric de Coulbert que ses rêves étaient prémonitoires. Le frère de Cédric s'était amouraché de moi. Nous n'étions que des enfants, c'était un amour innocent. Sianna le savait, alors elle a raconté à Cédric qu'elle avait vu sa mort en rêve. Tuée des mains de son propre frère. Cédric a volé l'épée de son père et tué son frère. Il ne se l'est jamais pardonné. Par simple amusement, elle a anéanti deux vies. Au final, ils l'ont forcée à quitter le palais. C'était il y a plus d'une décennie. Elle me manque terriblement depuis. Vous pensez que votre sœur est impliquée ? Mais pourquoi ? Comment dire ? Elle a toujours été... possessive. Elle était d'une jalousie maladive envers moi quand elle se croyait spoliée. La rivalité entre sœurs, c'est plutôt normal. Certes. J'ai reçu ce que j'ai donné, j'imagine. Cette époque me manque parfois.
Le vin volé, c'était le premier indice. C'est typique de Sienna. Elle a toujours aimé voler mes jouets. Quand j'ai vu le cœur de Toussaint, mon doute s'est transformé en certitude. Mon père l'avait offert à Sienna quand mes parents ne la voyaient encore que comme une petite effrontée. Quelqu'un a volé mon vin, puis a tenté de voler un bijou de notre famille. Ma sœur est forcément responsable. Le caprice d'une princesse déchue, jalouse de sa sœur. Ouais. Pourquoi pas? Vous voici chargé d'une mission nouvelle. Rendez-vous à Duntin et retrouvez Sienna, si elle s'y cache. Quoi qu'elle ait pu faire, il ne doit rien lui arriver. Je compte sur vous pour la protéger coûte que coûte. Si elle est là-bas, je la trouverai. Je l'espère. J'aimerais tant lui parler, de sœur à sœur. Votre Altesse, Gérald, je vous présente... Régis ! Quelle surprise ! J'ignorais que vous étiez à Beauclair. Et vous êtes ? Mon très cher ami Detlaf van der Eriten, tout juste arrivé de Nazaire, nous venons prêter main forte au sorceleur dans sa quête. Oh, formidable ! Mais que faites-vous donc chez Oriana ? Ces messieurs m'ont fait la surprise de leur visite, et j'ai invité Régis à partager un verre de vin. Nous sommes amis de... de longue date. Sorceleur, je crois savoir que vous êtes un ami de Régis. Oui, ça vous étonne? Eh bien, je n'aurais jamais pensé que Régis partage des points communs avec un sorceleur. Détrompez-vous, ma chère. Gérald est un homme aux multiples mérites. Même s'il s'évertue à les cacher. Vous aidez le sorceleur, dites-vous? Votre quête aurait-elle un rapport avec la bête? Maître sorceleur, je suis curieuse. Quel effet cela fait-il d'affronter un monstre en combat singulier? De savoir que vous n'avez d'autre choix que tuer ou être tué? Vous savez, je ne saute pas à la gorge de tous les monstres. Il m'arrive même de parler avec certains d'entre eux. Vraiment? Et qu'est-ce qu'un monstre peut bien vous dire? Il demande pardon, peut-être. Allons, pour quelle raison un monstre demanderait-il pardon à un sorceleur? Pour ses crimes, même si parfois il n'a pas le choix, et qu'il tue uniquement pour protéger les siens. Oui. De ce point de vue-là, ils ne sont pas différents des humains. Je comprends mieux votre amitié avec Régis. Si je vous comprends bien, vous préférez aider un monstre plutôt que le tuer. Si possible, oui. En tout cas, j'essaie. Cette conversation est passionnante, mais... Ainsi donc, vous venez de Nazaire. J'ai vécu là-bas étant enfant. Est-ce un bon souvenir? Merveilleux. Les coutumes de ce pays sont fascinantes. Et ces robes à la coupe flottante, quel enchantement! Nous allons bientôt manquer de vin. Je vais descendre à la cave pour chercher une autre bouteille. Attendez, j'y vais. Régis, vous m'accompagnez? Vous vous y connaissez mieux que moi, après tout. Nous serons très vite de retour. Belle assemblée, n'est-ce pas? Des vampires, un sorceleur et la duchesse de Toussaint. Cocasse, vous ne trouvez pas? C'est hilarant, Régis. Je voulais vous parler en privé. Amenez Detlaf ici. Vous êtes devenu fou. Écoutez, Gérald... Non, c'est vous qui allez m'écouter. Il est dangereux, et vous étiez censé le surveiller. C'est justement ce que je fais. Detlaf est certain que vous allez réussir. Et il ne tuera plus. C'est promis. En tout cas, pas avant d'avoir retrouvé les hommes qui ont enlevé Rena. J'imagine que vous n'êtes pas ici par accident. Ce serait une drôle de coïncidence, non? Non, j'avoue, un petit oiseau nous a guidés jusqu'ici. Oriana, c'est vraiment une amie? On peut lui faire confiance? Je la connais depuis très longtemps, bien avant qu'elle s'installe à Beauclair. Je ne l'avais pas vue depuis... Je ne sais même plus depuis quand.
Mais je vous dirai tout à son sujet. Une autre fois. Écoutez-moi bien. Je sais où se trouvent les maîtres chanteurs. Ils se cachent au château de Duntin. Formidable! D'autant plus que Rena doit certainement se trouver avec eux. La duchesse pense que sa sœur serait peut-être au château. En fait, il est possible qu'elle soit impliquée dans cette histoire de chantage. Vraiment? Vous voulez dire que nous allons devoir faire sortir deux femmes de ce château? Ce que je veux dire, c'est pas un mot à Detlaf. Son désir de vengeance l'obsède. Il est trop dangereux. Geralt, faites-moi confiance. Je sais comment... Non, Régis. C'est trop risqué. Detlaf doit rester ici pendant que j'irai à Duntin. Seul? Oui, seul. C'est l'unique moyen de protéger les deux femmes. J'espère que vous savez ce que vous faites. Très bien. Je m'occupe de Detlaf. Bonne chance, mon ami. Formidable, Detlaf. Ah, je vous remercie de m'avoir rappelé à ces bons souvenirs. Vous revoilà. Vous en avez mis du temps. Contrairement à la croyance populaire, choisir un vin n'est pas à la portée du premier venu. En particulier un vin destiné à une aussi charmante compagnie. Régis, toujours aussi galant. Hélas, je ne peux rester savourer cette bouteille avec vous, mes amis. Le devoir m'appelle. Votre Altesse, au plaisir. Merci, Oriana. Votre aide est inestimable. Geralt, vous m'accompagnez? Vos amis sont vraiment exceptionnels. Ce Detlaf est un homme... intrigant, à tout le moins. Je ne le connais qu'assez peu, en fait. Il vous a parlé de lui? Pas vraiment, mais je me flatte d'être un bon juge de la nature humaine. Sans cela, je ne survivrai point une semaine à la cour. Et que pensez-vous de lui? C'est un homme sensible, triste. Il porte en lui le poids d'une terrible tragédie. C'est un homme bon, mais perdu, ce qui lui donne un air maussade. Drôle de soirée. Je ne m'attendais pas à ça. Moi non plus. Mais je ne vous ai point amené ici pour bavarder. Je veux m'assurer que vous avez bien compris votre mission. Oui, je dois aller à Duntin. Ma garde personnelle vous aidera. Vous les retrouverez au moulin du Comte de la Croix. Au bord de la rivière sans retour, près de l'auberge du Cocatrix. Ce n'est point difficile à trouver. Le capitaine de la tour et ses hommes vous attendront là-bas, à minuit. Vous attaquerez le château ensemble. Le fouet et le pilori attendent les émeutiers. Notre duché apprécie la paix et le calme. Y'a rien à voir. Circulez.